Depuis le début, nous avions tort. Et c'est seulement maintenant, après de longues années de conflits, que nous commençons à comprendre les erreurs que nous avons commises. Nous vivions en harmonie parmi les Faé, dans un monde qui s'éveillait à une nouvelle magie. Peut-être aurions-nous dû prévoir ce qu'apporterait cette vague de changement. Quelle force elle éveillerait? Une force assez puissante pour ébranler l'éternel, l'immuable peuple Faé. Mais Gadflo, le nouveau roi de la cour d'hiver, nous a pris au dépourvu. Il était tout ce qu'un Faé n'est pas. Agressif, ambitieux, visionnaire. Il possédait un pouvoir comme nous n'en avions jamais vu, terrible et redoutable. Gadflo et ses adeptes, les Tuatadeon, croyaient en l'avènement d'une nouvelle déesse à l'est, sous la forteresse de cristal d'Améthine de Gadflo. Au nom de cette déesse, ils se lancèrent dans une croisade contre les jeunes peuples d'Amalur, contre une armée de mortels. Peu importe la puissance de leur dieu, nous aurions pu être victorieux. Mais les Faé sont des êtres de magie, affranchis des lois de la vie et de la mort. Chaque Tuatha tombé sur le champ de bataille finissait par renaître, car les Faé ne meurent pas comme nous. Comment aurions-nous pu faire face à une telle force? Pendant 10 ans, la guerre a fait rage. Pendant 10 ans, les armées humaines et Alphar ont combattu et péri. Et même alors que nos soldats mouraient, nous savions qu'il fallait être patient. Notre destin était écrit. Du moins, c'est ce que nous pensions jusqu'à votre mort. Qu'est-ce que c'est, à ton avis? Alphar? Varani? Ça pourrait être un Jotun. C'est toujours la surprise, hein, Goran? Fais ton boulot, tu veux. On se fiche de ce que c'est. Un mort est un mort. Et estime-toi heureux, après tout ce qu'on a vu. Mais vas-y, soulève le drap. Il faudra le mettre dans le rapport, d'une manière ou d'une autre.
d'un doc alpha. Pas surprenant. On en voit pas mal, quoique rarement aussi bien conservé. Bon, allez, n'oublie pas de mettre ça dans le rapport. Tu sais qui veut tous les détails. C'est fou comme ce corps s'est bien conservé. J'ai rarement vu ça. Je suis bien content que ce corps ne bouge pas. Ouais, pour une fois, ça nous change des autres. Il nous fallait autre chose? À moins que tu veuilles le rebaptiser, je crois que c'est bon. Mets-le avec les autres. Eh bien, c'en est terminé pour toi. Ce fut un plaisir. Ils sont partout. Courez! Ici! Aidez-moi! Je vous en prie! Encore cette vermine? Qu'importe! Vous mourrez tous! Oh, merci! Merci! Si vous n'aviez pas été là, attendez. Mais je vous ai déjà vu. Vous étiez mort. Ça a marché. Par le Tom, ça a marché. Vous êtes vivant. Eh bien, vous êtes mort. Je ne sais ni où ni comment. Mais votre corps a été recréé dans le puits des âmes. Et ça a marché. Grâce au puits. Votre âme a pu regagner votre corps. Nous devons vous mener au professeur Hugues. Il aura tant de questions à vous poser. Bien sûr. Mais il faut aller voir Hugues dans son bureau au rez-de-chaussée. Les Tuatha sortent des niveaux inférieurs. Si nous nous hâtons, nous arriverons en haut avant eux. Tenez, ceci devrait vous permettre d'atteindre Hugues en vie. Bien, allons-y! Vous le trouverez dans son bureau, au rez-de-chaussée de la tour. Enfin, je vais ouvrir cette porte, et nous pourrons y aller.
par ici. Je vous suis. Voici ce qu'il cherche. Notre plus grande invention, le puits des âmes. Imaginez la fin de la guerre et de la mort. Essayez de trouver quelque chose d'utile. Attendez, vous avez entendu ça? D'autres Tuatha! Aucune pitié pour moi. Votre heure a sonné, mortel! Nous aurons un nouveau rare que cet effet. Celui-là avait un arc. Prenez-le! Thank you.
Bien qu'elle soit fort courte, la dague est une arme redoutable. Parvient à surprendre son ami. En voilà d'autres. Si vous parvenez à vous faufiler jusqu'à eux avec vos dagues, vous pourrez les achever rapidement et en silence. Cette vermine s'enfuit. Les fleurs des grottes ne réagissent qu'à la magie. Auriez-vous des talents cachés ? Incroyable ! Qu'êtes-vous donc ?
bloquer le tunnel. Pourriez-vous utiliser votre bâton pour nous frayer un chemin? Encore des arrivées. Venez-les toutes. Meurs-toi, tas de malheur. Mais vous n'êtes une seule, vous êtes vivant. Et qui est-ce? Ça, je comprends. Que le puits a recraché. Nous autres prétoriens, sommes aguerris. Jamais les Toitas ne se sont... C'est ici que nos chemins se séparent. Servez-vous dans cette armurerie, vous y trouverez sans doute ce qu'il vous faut. Assurez-vous d'atteindre Hug. Nous pouvons retenir les Toitas ici. J'imagine que ceci pourra aider. Si les Toitas réalisent ce que vous êtes, vous en aurez besoin. Nous ne pouvons risquer de vous perdre. Vous êtes la preuve que le puits marche. Vous vous rendez compte? Continuez tout droit au-delà du puits. Vous trouverez Hug dans son bureau. Je vous retrouverai dehors, si le destin en décide ainsi. Ah, l'armure de plâtre. Rien ne protège mieux. Elle est intemporelle. L'armure en cuir est fine, certes. Mais assez léger pour permettre de sauter à... Un tissu léger laisse le corps et l'esprit libre. C'est ce qui plaît tant aux mages.
vous voilà. Et regardez-vous. Après tout ce que vous avez traversé, les Tuatha, votre retour d'entre les morts... Veuillez m'excuser, tout cela doit vous paraître bien confus. Je suis Hugues le Fomorien, et ceci est mon laboratoire d'Alesta. Tout ce que vous voyez ici n'a qu'un seul but. Le puits des âmes. Là, si seulement nous avions un peu de temps. Nous avons tant de choses à nous dire. Je ne peux tout vous expliquer pour l'instant. Les Tuatha sont venus saboter mon travail, mais je ne crois pas qu'ils sachent qui vous êtes. Pour l'instant, nous devons vous mettre en lieu sûr. Vous êtes la preuve vivante de ce que nous avons accompli ici. Je ne peux peut-être pas sauver le puits, mais je garantirai la sécurité de sa seule réussite. Hors de question. C'est-à-dire que vous... Vous êtes... Fascinant. Absolument stupéfiant. Je n'en connais pas vraiment la cause, mais en tout cas... Oui, comme je disais, je ne sais pas ce... Peut-être que je devrais aller voir. Monsieur Hugues ! Monsieur Hugues ! Les Tuatha sont au labo ! Ils sont dans le... Non ! Vous devez sortir d'ici immédiatement. Vite ! Suivez le chemin menant à la ville de Gorhardt. Trouvez Agart, c'est un ami. Il pourra vous aider. Et quoi qu'il arrive, restez en vie. Allez, allez! Thank you.
Je savais que c'était trop beau pour dire. Mitaru soit loué, un autre survivant. Il y en a d'autres ? Je suppose que le destin nous a fait une faveur. J'espère que ceux qui sont... Prenez soin de vous. Nous allons bientôt partir. Le remédic... Vous avez aussi survécu ? Vous assistiez le professeur en bas avec ses projets. C'est tout, lui. Il est très prévenant, je veux dire. On devrait être en sécurité ici. Du moins, encore quelques... Jean, vous, je me souviens de vous. C'est... Quand je vous ai vu, le puits des âmes n'est... Mon contact me paye, mais j'ignore comment les Touatas en ont eu vent. Cela n'a rien à voir avec eux. Je n'ai jamais voulu faire de... Je n'ai pas... Bon, je ne pourrais pas le dépenser.
Thank you.
Vous venez de la tour, c'est ça? Je m'appelle Haggard. Pourriez-vous aider à... Ah oui? Et dire qu'il doit être mort à l'heure qu'il est. Quand il a commencé l'écart, pour tout vous dire, il l'a plutôt bien pris. Je dois pouvoir dégager un peu de temps, en souvenir de Hugues. Vous? L'écart de ce matin? Préparez-vous. Les Swad, vous avez changé la manière dont tourne le monde. Mais vous quoi? Approchez. Je vous promets de ne rien vous dire si je... J'imagine que oui. C'était... Vous êtes nerveux. Je verrai votre... En tout cas, je devrais le... Le tissage, c'est impossible. Si c'est vrai... Et je ne dis pas que j'y crois. Alors, c'est à vous de... Cela peut ne rien... Je n'ai jamais... Je vous retrouverai dans sa maison, à l'est. Je vais voir si je peux apporter de l'aide. C'est bien là le problème. Il vit dans une petite hutte à l'est. Mais qu'est-ce que cela signifie? Encore là? Vous ne savez pas si vous voulez entendre ce que... Mais qu'est-ce que cela signifie?
side. Oi, 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 oi.